Ouais, salut les potos, donc je vous prends juste avant la vidéo pour vous dire que donc j'ai un serveur Discord dédié à la chaîne. Donc je mettrai en description le site aussi du serveur donc que je vous présente modé. Je mettrai tout en description. Allez, bonne vidéo. Zéro. Hey les gamers, c'est Maxport. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit serveur faction modé. Donc, c'est un serveur de type modé, oui. J'ai déjà dit, je suis débile. Donc, il est très sympa. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est tranquille. Il y a du PVP fac. Donc, je spawn avec ce petit stuff. Bon, j'ai un peu joué quand même. Donc, on va faire le petit tour du spawn. Et puis après, je vais vous montrer les différentes commandes. Donc, nouveau joueur, slash info, slash aide, bienvenue sur Rampajuice. J'espère que je le dis bien, n'insultez pas dans les commentaires. Attention, le TP kill est autorisé. Oui, sur ce serveur, le TP kill est autorisé, même si je sais, c'est pas ouf. Alors, Rampajuice, donc je pense que c'est les infos du serveur. Toutes les actualités du serveur, d'accord, donc c'est les events du week-end. Donc tous les week-ends, ils organisent un petit event. Acheter des jetons, donc ça c'est... D'accord. Donc là c'est tout ce que tu peux acheter avec les boss du week-end, d'accord. Là c'est... la téléportation rapide, d'accord. Zone de portail, magasin, TP ferme. Donc je pense que là c'est pour farm les choses. Donc là c'est pour les squelettes, creepers, tout ce que tu veux, mob. Ça c'est pour miner. Alors, table d'enchantement et enclume, espace marchand de grade, ok. Ok, zone des informations et règlements. Donc, sortie de nord, ok. Donc c'est très basique, très... c'est pas non plus avec des trucs de ouf, genre de la magie et tout, c'est vraiment simpliste. Donc il y a des petits trucs sympas, je vais monter le son. Voilà. Alors, espace enchantement plus enclume. Donc c'est simple, hein, c'est pour les enchantes et tout. Donc voilà. Alors, enchante, ok, bah ça c'est facile. On va continuer le tour du spawn. Donc, hop là. Alors là, je pense que c'est les portails. Bah oui, c'est les portails. Là, c'est quoi? Zone des quêtes, d'accord. Zone des portails. Alors, Ferdia. Ok. Donc là, c'est le monde minage. Là, c'est quoi? Ferme un mob. D'accord. Il y a quoi? Monde vers le Nether. Ok. Et là, c'est le boss que je dois faire plus tard. D'accord. Donc là, c'est quoi? C'est monde de Wyvern. Donc les Wyvern, c'est les petites bêtes qui sont là-bas. Ils sont là-bas, là-bas. Donc, ok, bah on va continuer une petite visite. On va essayer un peu tout plus tard dans la vidéo. Beau petit éléphant, ça vraiment c'est trop stylé. Oh, il rugit! Non, c'est vraiment trop bien ce serveur. Alors, ça c'est les spawners, je crois. Voilà. Donc, ils échangent contre le rubis. Donc, des spawners à cochon, blaze et tout. Voilà. Donc, les minerais dans l'ordre, c'est le diamant. Le rubis, ce minerai bleu, le minerai bleu, je sais plus c'est quoi. Je vais voir, c'est ce minerai bleu là, je sais pas ce que c'est. C'est écrit au minage normal, on va aller voir. Donc, il y a le diamant, l'onyx, après le rubis. Ça c'est le saphir. Et le titane qui est ici. Donc voilà. Alors. On va continuer ici. Donc, là, les spawners. Vendeur de mobs spawner. Donc là, l'enchantresse qui vend des pièces d'or comme des livres. Ils sont pas mal, hein, franchement. Butin 3. Butin. Ouah. Alors, acheter les grades vétérans. Donc, ça, c'est pour voir combien... en fait, les grades, ça s'achète.
Donc dans la boutique qui est sur le site que je vous mettrai en description et sur du coup en monnaie. Donc des deniers, c'est un truc comme ça. Qu'est-ce que j'écris moi? Et j'en ai 2700. Donc t'en as vers les 2000 quand tu débutes. Donc là, c'est les infos, d'accord. Donc, liste des commandes utiles, ça je commande. Donc là, ça je commande. On va essayer. Hein. Y a un peu tout. Récompense journalière, ça on va essayer après, à la fin. YouTube, Discord, ok, ça c'est les liens. Important, les boss, HDV, ça les règles, ok. Donc là, il y a un peu tout ce qu'on a vu là. Donc le shop, on va voir après, les quêtes aussi. Marchand aussi, enchante. Par contre, les portails, on a vu, les infos, minage, on va les voir aussi, mais bon, c'est pas intéressant. Et les farms. Donc, je peux vous expliquer comment créer une faction, ça c'est simple. Donc, nombre de personnes dans une faction maximum, 15. Power max par faction, 150. Power perdu par mort. Donc, je vous explique. Les power, c'est... ça permet de claim une zone pour avoir ce territoire-là pour la faction. Et en fait, je crois qu'on en a 10 au départ. Et quand tu meurs, t'en perds 2. Du coup, tu peux plus claim. Donc, voilà. Alors, un power récupéré toutes les 15 minutes, donc ça, c'est pas mal. Nombre de clés max par faction, 25. Alors, taille du monde, 1250, c'est pas mal. Astuce, voter régulièrement pour vous rapporte en minerai. Ça, je peux pas le faire parce que j'ai eu des problèmes avec mon compte. Gagner de l'argent, ferme à cactus ou autre. Ferme à cactus ou autre, ok. Donc, faites des fermes, quoi. Miner, monde minage, récupérer tout, puis vendez, ok. Franchement, je vais pas faire ça. Stuff. Tuer des créatures au slash farm. Rapporte bien. D'accord. Donc là, minerai, musée, astuces. Donc là, on a été voir les astuces. Maintenant, on va aller voir les minerais musées. Donc. Alors, nouveau minerai, attention. Uniquement au slash minage, ok. Donc là, l'onyx, qui est le premier minerai le moins rare. Après, il y a, donc en couche 2 à 13. L'onyx, le rubis couche 2 à 12 qui est le deuxième plus rare, le saphir, donc voilà le saphir couche 2 à 11 qui est le troisième plus rare, et là le titane, le meilleur, qui est couche 2 à 10. Donc je vous conseille de miner 7 ou 8, couche 7 ou 8. Moi je couche entre je mine entre les couches entre 6 7 et 8. Alors, les règlements, le règlement. Donc, ça, on verra après aussi. Ok, d'accord. Donc, là. Enclume, 3 TNT. Donc, pour la casser, il faut 3 TNT. Pierre renforcée, 3 TNT. Pareil que l'enclume. L'under chest, 5. C'est pas mal. Alors, donc, si vous voulez savoir la durabilité des choses, vous prenez un bâton et vous faites clic droit dessus. C'est vraiment pas mal, en vrai. Donc, on va continuer. 5 TNT pour l'under chest. Obsidienne, donc normal. L'obsidienne normale, 10 TNT. L'obsidienne renforcée, donc qui ressemble à ça, 20 TNT. Et la table d'enchant, donc que tout le monde connaît, 5 TNT. J'allais dire 15, n'importe quoi. Alors, on va continuer la visite du spawn. Donc, on a fait tout le tour, je crois. Alors, ça, normalement, c'est pour. Wow, ça fait peur par contre. Ça fait flipper. Donc, on va voir un peu les commandes. Donc, nous allons essayer Rampadei. Donc, on peut faire la commande Rampadei. Donc, slash Rampadei. Et aussi cliquer ici. Et voilà, j'ai le stuff que j'aurais dû avoir hier. Donc, plastron rubis qui est pas mal. Je vais le mettre tout de suite. Alors, ok. Donc, ça, c'est pour récupérer tous les jours. Des petites récompenses comme ça. Donc après, et tu gagnes 500 de Nice. Alors après, nous avons. Donc, je vous montre un peu tout ça. Slash enchant, donc ça nous TP là-bas. Donc ici. Après, donc marchand. Slash marchand, tiens, on va essayer. Hop là, c'est parti, nous allons au slash marchand. Alors,
Ok, donc là c'est les PNJ, donc spawner, livre enchanté, et là les grades vétérans, ok. Donc après, il y a... Bon bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, et bah salut.